vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas chez McLaren, mais chez Rolls-Royce, toujours chez Rolls-Royce Varsovie dans le showroom. Et aujourd'hui, une grande nouveauté, un modèle très spécial qui était aussi, qui devait être aussi présenté au Salon de l'Auto de Genève, mais tout a été annulé malheureusement. Mais voilà, nous l'avons en exclusivité pour une date limite très très courte, cette Rolls-Royce Wave Cryptos Edition, une édition très spéciale qui, on va dire, va te permettre de déchiffrer des messages codés. Et c'est justement cette édition de 50 exemplaires au monde que Rolls-Royce présente avec des couleurs très particulières. Découvrons-la maintenant. Commençons maintenant avec cette Rolls-Royce Wraith Cryptos édition très unique, modèle limité à 50 exemplaires au monde. Et cette voiture devait être présentée justement au Salon de l'Auto, malheureusement tout a été annulé. Et par chance, au même moment où je suis à Varsovie, cette voiture elle est là aussi quoi. Donc c'est vraiment super super sympa. Donc le Cryptos édition avec, commençons par la couleur principale, donc c'est le Shelby Gris, le Shelby Gray, et avec toutes les petites touches de vert, donc c'est le vert Cryptos, le Cryptos Green, qui ont été rajoutés sur cette voiture. Elle a énormément de petits messages codés, par exemple, elle a été faite parce qu'il y a plusieurs façons de communiquer un message, des messages cryptés en l'occurrence, des messages cachés. Donc voilà d'où vient le mot Cryptos. Donc cette voiture justement elle a été conçue en tant que hommage au monde clandestin de la cryptologie. Donc c'est vraiment très très spécifique, mais quand on regarde un peu ça peut faire peur, mais pas tant que ça. En commençant par le Spirit of Ecstasy, la petite signature de chez Rolls-Royce avec toutes les... Ça, c'est aussi nouveau, ça, j'avais jamais vu avant sur le Spirit of Ecstasy, avec des petits points, des petits détails en plus, également avec le vert Cryptos qui se rajoute automatiquement à cette collection. Nouvelle option de la part de chez Rolls, tu as les petites, sur le pare-choc avant, tu as des petits détails en vert, justement avec le vert Cryptos des deux côtés, et en fait, dès maintenant, c'est une option que tu peux commander si tu configures ta voiture, quoi. Donc ça, c'est justement une option qui vient d'être rajoutée en l'occurrence. Voilà, passons également sur les jantes. Des jantes de 21 pouces avec justement cette double couleur gris avec le vert Cryptos également. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, et là, tu as tout le coach line qui va de là jusqu'au fond, et c'est une double coach line. Donc justement, on voit pas très bien de loin, on dirait qu'il y a qu'une ligne, mais quand tu te rapproches, il y a deux lignes. Donc là justement, le vert Cryptos et le gris, le même gris que la couleur de la voiture. Donc voilà comment elle ressemble de loin, toute la voiture, avec tout justement ce coach line qui traverse la voiture. Ça c'est vraiment très sympa. Jusqu'au bout, avec des petits détails également à la fin, en bout de pointe, en l'occurrence. Voilà, ça c'est très sympa, on dirait qu'il y a plein de petits messages codés tout autour de la voiture. Mais justement, à la fin également, ce n'est pas une option Black Badge, c'est juste une option pour le contour des phares LED en plus. Donc ça c'est vraiment très sympa également. Et là, tu as un petit peu, pas des black badge spécifications, mais tu as aussi tout le contour des fenêtres également en noir. Et puis voilà, par rapport à la voiture, comment c'est une Wraith normale, mais vraiment avec plusieurs détails qui sortent de l'habitude, justement exprès pour cette collection. Et justement, découvrons l'intérieur parce qu'il y a aussi deux, trois petits trucs qui ont été rajoutés. Donc voilà, rentrons à l'intérieur de cette Wraith Cryptos. La voici dans son intégralité, magnifique petite touche également, énormément de touches justement du vert Cryptos.
Et là, voilà, tu as toute la ligne en commençant par le vert. Ça, c'est aussi nouveau. Voilà, ça, ça brille dans la nuit. En plus, j'avais vu des photos, c'est magnifique. Là, il fait un peu jour, mais ça brille dans la nuit. Justement, les surpiqûres, elles brillent dans la nuit. En commençant également avec la plaquette Rave Cryptos Collection. 1 sur 50 exemplaires au monde. Et voilà tout l'intérieur, comment il est. Avec énormément de touches du vert Cryptos. Magnifique. Les détails sur les sièges. Et les sièges, c'est un petit peu du gris clair. Avec justement toutes les surpiqûres en vert également. Donc ils ont vraiment travaillé énormément sur ces couleurs. Là, le petit badge Cryptos de la collection également. Tu les retrouves derrière. Avec tous les trucs en vert Cryptos. Qui s'ajoute tout le toit. Voilà. Là, tu as tout le toit. Malheureusement, alors, petit détail. C'est vraiment pas voulu. La voiture n'a plus du tout de batterie. Elle est complètement morte. Mais je vais vous montrer parce que j'ai réussi à prendre justement tout le toit illuminé juste avant qu'il n'y ait plus de batterie. Donc, je vais vous la montrer maintenant. Et puis, voilà. Donc, c'est justement la constellation étoilée. C'est plus une constellation cryptée, en l'occurrence, qui fait référence aux données techniques, aux données des logiciels. Donc, voilà. Rentrons à bord aussi. Nouvelle option que j'ai oublié de dire. Ah oui. Nouvelle option. Tu as ces surpiqûres sur le côté également. Donc, ça, c'est vraiment sympa, qui rajoute une touche un tout petit peu différente comparée des autres Rolls-Royce. Il y a vraiment énormément de touches de vert. Mais franchement, c'est pas too much et ça s'accorde super bien, quoi. Là, tu as le tableau de bord également sous forme cryptée, si je peux le dire ainsi, avec la petite horloge. Mais là, voilà, tu as des petits détails dans les détails. Donc, tu as toute la planche et qui est en relief, en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et là, tu as tout le reste. Comme sur les Rolls normales. Là, tu as le tableau central avec du gris foncé en aluminium. Et sinon, tu as plein de petits détails. Par exemple, des surpiqûres et tout ça qui se rajoutent automatiquement à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite revue très rapide à propos de cette nouvelle Rolls-Royce extrêmement limitée, la Rolls-Royce Wraith Cryptos Edition. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses parce que c'est vraiment une voiture assez unique. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour d'autres vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne journée. Ciao !